Tire. Ah, et là? Bah, Ah oui, oui, maintenant ça marche. ok, Vas-y. merci beaucoup. Bachir, on te parle. Ciao, Oui, Valentine. moi je Ciao, suis Titi. derrière Je les coulisses. ne vois Joséphine, pas salut. l'image de Non, non. Bachir. Bonjour, Bachir, c'est Nader qui te Oui, parle. salut Nader. Bah, tu sais, Je les ne vois pas votre techniciens. image, cher Bachir. Bah, les techniciens derrière les coulisses, ils travaillent, tu sais. Ah, mais là, C'est ça. c'est parce qu'il transpire, hein, il ne veut pas se montrer. Cher Bachir, Ouais. vous êtes iranienne parce que Bachir, c'est un très, très Je suis joli libanais. prénom iranien. Ah oui? Bachir, c'est un très... On est bien d'accord, Rochad. Oui, mais je ne vois pas les Qu'est-ce que sources, ça ça veut vient de dire? Chir, le lion, ou Bachir, c'est quoi? Parce que Bachir, il Chir, en vient. persan, ça veut dire le lion. Ah, Mariano, Oh, enlevez wow. l'image. Merci, Merci, Rochad. Bachir, c'est celui qui donne les messages, qui apporte les C'est messages, qui ça. amène les Et en messages. arabe, Ah, c'est le messager. le mot Message Hermès, de. en grec. Ok. Ah oui, d'accord. Perestade en vieux en persan. Bachir, c'est donc un mot d'origine arabe. On est bien d'accord. Oui. Je suis Bécharat. libanais, je suis d'origine arabe, phénicien, tous les deux. D'accord. Tunisienne. Ouais. Tunisienne, d'accord. Non, Non. non, libanais. Ah, Du Liban. Libanais, ok. Alors, plus vers nous, plus Moyen-Orient. Ouais, l'Iran occupe le Liban maintenant. En cours de Liban, oui. On est occupé de vous. C'est pas nous, hein? Ah, Attention, pas vous, non, les. non, non, pas nous, pas nous. Ouais. C'est pas nous. On respecte votre autonomie, votre indépendance. On est tous égaux. Coucou Anise. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est connectés tous les deux là, du coup. Ah, super. Bienvenue, bienvenue. Je vais mettre la Merci. caméra d'ici peu, mais. Attends. Oui, c'est bien de vous voir pour Ouais, un. je vais la mettre, Nathalie, bonjour. Je t'ai salué. Ciao. Salut, salut. Bisous. Alors, dans cette attente, je dois vous dire que je suis un peu touchée aujourd'hui par un événement triste parce que j'ai filmé 3 ans. Deux sœurs juives et pour un film qui est, voilà, une quête vraiment, fille de parents déportés à Auschwitz. Et voilà. Et cette nuit, Monique nous a quittés. Donc, je voulais lui mettre un petit hommage. Voilà. En plus, je vous dis, j'ai dit, elle était connectée avec nous. C'est le corona qui l'a amenée. Et elle est partie en un jour. Un jour. Incroyable. Cette bête de virus est vraiment horrible. Donc, on est là aussi sur une frontière subtile, la frontière entre la vie et la mort, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous fascine et nous fait peur en même temps. Donc, voilà, je voulais vous rendre part de cette tristesse et en même temps de cette joie parce que j'ai réussi à la porter entre deux confinements. Je l'ai ramenée à Champsonglar, un petit village de la Creuse, où elle et sa sœur étaient cachées pendant la guerre. Et donc, au moins, voilà, disons, les films est là, hein, les films est là. Mais voilà, c'est parce que je partageais avec elle une fois par semaine. Vous voyez, elle me racontait, elle m'avait dit une dernière fois, on n'est né pas fille de déportés, on les devient. Donc, voilà, c'est quelque chose de vraiment très fort. Donc, c'est pour cette raison, donc, à part la thématique frontière qui nous relie là ce soir,
que je voulais, je demandais, je proposais à Joséphine, comme toujours, parce que je la maltraite toujours, hein, je lui dis, Joséphine, tu peux faire ça, Joséphine, tu peux chanter ça, Joséphine, tu peux faire ça. Voilà, donc je lui ai proposé de chanter une lamentation pour Monique. Merci Joséphine. Et donc, je voulais quelques secondes juste pour justement ce passage de la vie et de la mort. Je voulais vous montrer ce beau moment avec Émilie en 96. J'ai peint cette femme aborigène comme une icône. Et parce que j'avais une amie qui allait en Australie, cette femme aborigène, Émilie, peignait, avait commencé à peindre à 80 ans. Et donc, mon amie va là-bas et sur sa table, il y avait un magazine et il y avait ce portrait d'Émilie. Et donc, je me le suis approprié en voulant la peindre parce que ce regard... extraordinaire. Je voulais donc me l'approprier et je l'ai fait sur une magnifique planche très très ancienne et voilà, je l'ai peinte en octobre 96 disons, et quelques mois plus tard, avec la chaleur de ma maison, elle s'est fendue la gueule, elle s'est écartée. Et pile là sur le vous voyez oui. Et donc je dis oh là là, techniquement je suis nulle, bon voilà. Et en fait, 3 mois après, mon amie revient d'Australie et elle dit que pendant que je peignais en octobre, elle est morte. Et donc c'est vraiment toute cette frontière entre la vie et la mort, et que moi, de l'autre côté du monde entier, elle disparaissait juste au moment où je la représentais. Et en Australie, on ne représente pas, on ne représente plus la personne morte pendant au moins en tout cas et pendant 5 ans, on ne la nomme plus, on brûle tout. Et voilà, moi de l'autre côté du monde, je la représentais et je la et voilà ce beau regard. Merci beaucoup. Wow. Voilà, donc on est en plein dans la frontière. Et je suis heureuse ce soir de vous présenter, donc après cette lamentation dédiée à Monique Charapanowski, qui vient de partir, donc qui est en train de partir peut-être, de s'éloigner. Et je vais vous présenter Alfredo Ancora, qui traitera ce soir
les marges de la cure. Tiziana Leucci, les frontières symboliques dans la tradition socio-religieuse indienne. Rokshad Nourdeh, Borderline. Annelise Frekiami, entre ici et là-bas. Faire exister l'absence à travers l'expérience de l'art-thérapie. Valentine Cohen, l'au-delà des frontières. Nader Wahabi, culture sans frontières. Fulvio Caccia, vive les frontières. Flor Murar Jovanovic, fascisme des frontières et autres violences. Federico Simonti, l'invention de la frontière, histoire des frontières matérielles, politiques et symboliques. Gianluca Solera, je vous prie de l'excuser, il est tombé malade aujourd'hui même et il se présentera pas. Voilà, et je vais vous parler un petit moment de Alfredo Ancora, psychiatre et psychothérapeute. Il est membre de l'International Society for Academic Research on Shamanism, professeur de psychiatrie à Trieste et Sienne, cofondateur et directeur du comité scientifique de notre université populaire de Martino Carpitella, Transire. Alors, Alfredo carissimo, tu es en plus élève de Georges Devereux, l'inventeur, oui, comme on dit, de l'ethnopsychiatrie. Oui, oui. Alors, tu es auteur aussi, publié chez L'Harmattan, du livre La consultation transculturelle de la famille, Les frontières de soins. Pourrais-tu nous dire comment tes expériences plutôt nomades te rapproche du sujet frontière? Oui, merci. J'ai travaillé dans le département de santé mentale de Rome 2, c'est-à-dire dans la banlieue de Rome. Et alors, c'est un lieu de frontières, psychologiques, sociologiques et aussi et surtout humanitaires. Alors, j'avais travaillé avec les migrants, les réfugiés, et surtout avec ces familles. Et j'ai fait une sorte d'expérience avec les groupes transculturels, c'est-à-dire les groupes des patients italiens et étrangers. C'est une expérience qui avait une sorte de... comme l'on dit, de faire des moments d'intégration entre l'étranger et les malades étrangers et les malades italiennes qui se rencontrent. Parce que je pense que les rencontres, avant d'être thérapeutiques, soient avant culturelles. La rencontre culturelle avant des rencontres cliniques ou thérapeutiques, ça va. Très bien. Et Alfredo, comment arrive la notion de frontières dans les concepts de transculturel? Ben, c'est la même chose pour moi. Transculturel, c'est les mots, c'est les mots qui viennent de Cuba, de Fernando Ortiz, qui a créé l'élément transculturation, c'est-à-dire toma y da, prend et donne. Alors c'est un processus qui à travers les conceptions culturelles de la maladie, de la cure, et c'est un processus et une qui est surtout un processus mobile, transculturel, à travers et pas autour les personnes. C'est-à-dire que pendant ce processus, je suis changé. Mes paradigmes de l'université, académie sont limités
pour l'approche transculturelle, c'est-à-dire des nouveaux qui avancent. C'est nouveau pour nous, pour les Italiens, parce que les migrants, les réfugiés, respect à tous les autres pays d'Europe, et arrivaient plus tard. Et alors, nous avons un peu de retard pour, aussi pour les considérations scientifiques et techniques, mais aussi pour la mentalité. Parce que c'est, selon moi, c'est la mentalité qui doit changer dans les services de psychiatrie. Je rappelle qu'en Italie, nous n'avons pas des hôpitaux psychiatriques, c'est fermé, et nous avons des centres de santé mentale qui se trouvent dans les municipalités de Rome. Chaque municipalité a. Et ces lieux se voisinent aux besoins de la gens. Et alors le centre devient aussi un centre de rencontre, pas seulement clinique. Ah, fantastique. Très bien. Et donc, disons une dernière question. Penses-tu alors que la psychiatrie en général devrait être toujours transculturelle? Absolument. Absolument, parce que la psychiatrie, c'est une science qui, nous devons rappeler que c'est une science très antique. Elle est pleine de mythes, de conceptions, pas seulement des molécules et des pharmacologues. Et dans le sens même de la psychiatrie, il y a l'histoire de ces choses. Et alors, je pense que la transculturalité, la psychiatrie doit être seulement transculturel, parce que c'est le transculturel qui peut permettre une approche nouveau à des nouveaux patients, à des nouveaux malades. Nous ne pouvons faire une chose, nous ne pouvons pas utiliser des paradigmes scientifiques vieux face à des nouveaux exigences des malades qui sont avant des personnes. Nous parlons des personnes, pas des catégories. Je n'aime pas beaucoup les catégories des migrants forcés, des migrants. Les derniers mots, c'est éco-réfugiés. Alors, je pense que derrière les catalogues, derrière l'étiquette et les catégories, et loin se trouvent les vieux pensées ethnocentriques, c'est-à-dire les pensées qui veulent cataloguer, qui veulent englober, et pas du tout. Mais je pense que l'opérateur de millénaires doit être un opérateur de frontières, de marges, de confinement, c'est-à-dire entre. Toujours entre. Entre, comme Morena avait dit hier soir, entre de Aguido, no? Entre Aïda, c'est-à-dire la possibilité de parcours entre moi et nous, moi, entre moi et le monde, entre les cultures et les passages à travers les cultures, pas autour de les cultures. Dans ces processus, c'est un processus de changement avant de l'opérateur. Et s'il y a aussi, quelques instants pour lire une chose très intéressante. Oui, vas-y, Alfredo. Je remercie, j'ai vu entrer Mieko. Merci, Mieko, pour la notion de Aïda. Merci, Aïda. Alors, pour appeler l'opérateur de frontières, l'opérateur transculturel, j'ai trouvé une phrase très, très belle. C'est-à-dire, l'opérateur des millénaires, c'est le metorios. C'est un mot grec. Metorios. C'est-à-dire, celui qui est à la frontière, mais qui est en même temps à le regard tourné vers son territoire et étend son oreille au-delà de la frontière pour entendre les raisons de l'autre. Yes. Magnifique.
Ben, ça correspond exactement à la phrase de Frida Kahlo, « Là où tu vois des frontières, moi je vois des horizons ». Oui, oui, oui. C'est vraiment la même poétique. La transculture peut être aussi l'occasion pour la science de devenir moderne, oui. C'est-à-dire actuelle, c'est-à-dire voisine aux besoins des personnes, pas seulement des malades. Les personnes sont une chose très différente des malades. Très bien. Alfredo, il y a des questions qui arrivent, mais après, peut-être, on va les mettre dans les débats, parce qu'en effet, on s'est donné un rythme de parole un peu qui va très vite. Et je dois vous dire qu'Alfredo, tout à l'heure, il m'a dit, je n'ai jamais parlé dans ma vie, en général, 3 minutes. Donc, tu vois, c'est un peu... difficile lui prendre la parole, mais un moment, analyse, frecchiami, en italien on dirait. Comment on dit en français? On dit la même chose. Alors, je te donne la parole, je te mets en évidence, pardon. Et je te pose une petite question, parce que, alors, toi, tu es psychologue et art thérapeute. Donc, j'avais envie de te poser un peu la question sur ton expérience avec les migrants, enfants, adultes, adolescents, voilà, que tu accompagnes au sein de divers dispositifs de protection de l'enfance et d'insertion. Mm-hmm. Donc, raconte-nous un petit peu ce boulot. Donc oui, je suis psychologue clinicienne de formation et puis je me suis formée très rapidement à l'interculturel. Puisque, comme le disait la précédente intervenante, moi, je vis en Seine-Saint-Denis. Alors, je n'ai pas toujours vécu en Seine-Saint-Denis. On entend bien ? On entend pas trop bien. Voilà, là, c'est mieux ? Pas très bien. Oui, ah. Oui, c'est parfait. OK. Et donc, quand on grandit en Seine-Saint-Denis, on grandit nécessairement avec des enfants de toutes les cultures, parce que c'est un département qui a toujours été une terre d'accueil pour beaucoup de personnes venant de l'étranger. Et je crois que c'est ça qui m'a donné l'envie et le goût de travailler justement avec des gens qui viennent d'autres cultures. Donc, j'ai juste pour présenter un petit peu, j'ai eu une expérience il y a très longtemps, il y a maintenant une vingtaine d'années, au Kosovo, puisque j'étais partie dans le cadre d'une mission humanitaire juste après la guerre, et j'avais fait l'expérience d'un atelier autour des arts plastiques, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, en fait, qui étaient présents. On travaillait avec des enfants roms et qui ne parlaient pas forcément la même langue. Hein, pour communiquer, c'était pas évident. Donc, on avait mis en place un atelier d'art plastique et de cet atelier avait surgi un certain nombre de dessins et de peintures qui étaient en lien nécessairement avec la question du trauma, en fait. Donc voilà, et quelques années après, je me suis formée à l'art thérapie. Donc actuellement, moi, je travaille avec des jeunes, entre autres mineurs isolés, et des jeunes issus d'autres cultures nés en France. Et donc les jeunes mineurs isolés, ce sont des jeunes qui arrivent sur le territoire français sans parents. Donc ils font le voyage des jeunes qui peuvent avoir... là, actuellement, entre 13 et, on va dire, 18 ans. Parfois, ils sont un peu plus âgés. Donc, ils ont traversé les frontières, justement. Et puis, je travaille également avec des femmes dites mères isolées, c'est-à-dire des femmes qui sont nées à l'étranger, qui sont arrivées en France avec des enfants et qui ne vivent pas avec leurs compagnons, donc soit suite à des violences conjugales, soit parce que voilà, il y a des séparations, de l'errance, etc. Et donc elles sont accueillies en centre maternel. Okay. Donc dans ces deux cadres-là différents, qui dépendent de la France, j'anime des ateliers d'art thérapie, mais je reçois également dans le cadre du service d'accueil d'urgence pour adolescents des adolescents en entretien clinique. Donc j'ai les deux casquettes. En fait. Et moi je voulais revenir un peu à cette question du terme de frontière parce que c'est quand même la frontière, c'est quand même quelque chose qui finalement a été inventé par l'homme.
Absolument. Voilà, c'est une délimitation entre deux espaces et très souvent, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et ce que j'entends régulièrement quand, voilà, que ce soit dans les entretiens ou en atelier, c'est que finalement, franchir une frontière, c'est se donner la possibilité d'une vie meilleure, c'est se donner la possibilité finalement d'accéder à un rêve. Parce que bien souvent, notamment chez les jeunes mineurs isolés, c'est ce qui arrive en premier, c'est-à-dire moi je suis partie de mon pays pour avoir accès à une vie meilleure, puisque dans le pays d'origine, ils ont vécu soit des événements très traumatiques, soit ils vivent dans des milieux extrêmement pauvres. Et donc l'idée, c'est de quitter son pays, d'arriver parfois en France parce que c'est voulu, mais parfois un peu par hasard aussi, au détour d'un long voyage, puisque la plupart d'entre eux ont mis des mois à arriver par la route, et ont franchi des frontières sans même savoir parfois quelles frontières ils ont franchi, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quel pays ils ont traversé. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque ils vont décrire des langues qu'ils ne comprennent pas, ils vont décrire des paysages, ils vont décrire aussi des moments extrêmement violents, mais sans savoir parfois finalement dans quel pays ça s'est passé. Donc voilà, donc c'est toujours, moi je trouve, quand en tout cas il y avait un intervenant qui parlait de voyage et de possibilité d'aller ailleurs. Je crois que nous on a quand même cette possibilité, je tenais à dire ça, quand on est en France ou quand on est dans certains pays européens, on a un passeport et on a cette possibilité de franchir les frontières, moins aujourd'hui, mais en tout cas de manière beaucoup plus aisée que beaucoup de gens qui vivent dans énormément de pays où il n'y a pas d'identité parfois et il n'y a pas de passeport. Donc il y a quand même cette question qui est extrêmement importante. Voilà, donc on a quand même ce privilège-là en fait quand on voyage. Et le voyage, effectivement, c'est quelque chose de très agréable quand on l'a choisi et quand on sait un petit peu où on va. Oui, absolument. Et Annelise, excuse-moi, mais toi, tu penses que ces sujets-là, des limites, de seuils, de frontières, peuvent être des signes de pathologie? Alors là, notamment chez les jeunes mineurs isolés, ceux qui arrivent donc souvent par la route, quelquefois ils peuvent arriver en avion, mais ce qui se passe de toute façon, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils n'ont plus de passeport, puisque soit ils arrivent avec un passeur, et donc on leur prend leur passeport pour éviter, voilà, qui est, on va dire, toute l'identité qui soit dévoilée. Et moi, ce que je constate quand même régulièrement, c'est que il y a quelque chose en fait qui est très, en fait, ce sont dans la migration, il y a quelque chose de très partagé, c'est-à-dire que d'un côté il y a accès à cette vie meilleure, enfin accès à ce rêve et pas à cette vie meilleure, parce que bien souvent l'arrivée, elle est quand même source d'angoisse très importante, et notamment par rapport à cette question du franchissement de frontières. Moi, ce que j'entends très régulièrement, c'est la question du trauma, c'est-à-dire que le franchissement des frontières, en fait, est souvent synonyme, et notamment pour les jeunes qui arrivent d'Afrique subsaharienne. On a beaucoup entendu parler de la Libye, et effectivement, il y a énormément de jeunes qui ont subi des tortures, qui ont vu des amis mourir, et puis il y a aussi cette question de la traversée, puisque quasiment tous les jeunes qui arrivent là, en tout cas ce que moi je vois, on fait la traversée dans ces tout petits zodiacs que l'on voit régulièrement dans les actualités, avec évidemment ce sentiment de mort imminente. C'est-à-dire que pour certains, c'est la première fois qu'ils voient la mer. Quand on arrive du Mali, on n'a jamais vu la mer. Donc, on fait une traversée avec… Il y a une violence extrêmement importante, puisque bien souvent, quand les jeunes arrivent devant cette mer et ce petit bateau, ils refusent de monter dedans. Et ils sont menacés, c'est-à-dire que leur vie est menacée s'ils ne le prennent pas. Donc il y a déjà tout le parcours en fait, sans compter la question du viol, notamment chez les jeunes filles, puisqu'il y a énormément de jeunes filles qui, de toute façon, mettent des mois à arriver et qui sont victimes de viol, de violences en tout genre. Et puis il y a aussi cette question qui revient régulièrement.
Une fois qu'on a franchi les frontières et qu'on les a franchies sans papier, la question c'est est-ce que je peux exister ici, puisque je n'ai pas de papier? Comment ça va se passer pour moi? Est-ce que je vais pouvoir obtenir des papiers? Puisqu'en France, c'est un territoire où quand on n'a pas de papier, on est complètement en marge. On n'a accès à rien en réalité. Donc ça, c'est une angoisse qui est vraiment prégnante, notamment chez les jeunes mineurs isolés, mais également chez les mères, en fait, chez ces femmes qui arrivent et qui souvent, quand elles arrivent, soit elles ont fui le mariage forcé, soit elles ont fui l'excision, ou soit elles ont rejoint dans le cadre du regroupement familial un homme, en tout cas pour celles que moi je rencontre, qui finalement leur a fait subir des violences et qu'elles ont été obligées de quitter en urgence. Donc, je crois que quand on franchit les frontières et qu'on n'a pas, et que c'est pas d'une manière, quand c'est pour traverser différents pays et pour avec en rêve finalement derrière d'avoir cette vie meilleure et qu'on arrive sur un territoire qui est pas forcément très accueillant, ça vient aussi exacerber le trauma qui est déjà là. Donc, voilà. Merci Annalise. C'est un cadre noir que tu nous présentes. Mais c'est un travail très intéressant. C'est un travail très intéressant et c'est vrai que pour rebondir un peu sur la question du transculturel, je crois que c'est un travail qui est d'autant plus intéressant qu'on apprend énormément de l'autre. C'est-à-dire que le fait de ne pas être ethnocentré et de pouvoir être à l'écoute de l'autre et d'entendre l'autre dans ce qu'il est, dans son altérité, la vraie altérité, je crois que c'est aussi une possibilité d'écoute qui peut servir de reconstruction aussi. Très bien. Merci Annelise. Je voudrais passer la parole maintenant à Rokhshad. Artiste, cinéaste, ses œuvres explorent les relations existantes justement entre l'art et le cinéma. Femme multiculturelle entre France, Iran et Canada, ses recherches poursuivent les sujets concernant l'écologie, la femme et les enfants, les migrants, etc. Donc, Rokhshad, ce jour-ci, on l'a vu dans la présentation de sa bande-annonce pour le moment du film qu'elle est en train de faire sortir. On l'a vu aussi dans la performance qu'elle nous a fait en direct pour les voix au vent. Donc, je voudrais te poser une question, Rokhshad. Bonjour, merci d'être là. Alors, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton expérience professionnelle, artistique, après ton passage des frontières, donc ta migration en tant qu'exilée en France? Oui, en effet, je remarque qu'il y a une différence entre ce que Annelise a évoqué et ce que moi j'ai traversé. Il y a deux sortes, il me semble, de passage et l'exil. Donc, pour ceux qui sont issus de l'Afrique, ça dépend de leur classe sociale maintenant dans le pays d'accueil. Et en fait, ils sont dans la survie. Et nous, moi, en tant qu'artiste, c'est pour les fins artistiques, mais qui se donnent finalement pour les fins politiques. Malheureusement, ça devient comme ça souvent, on voit, et je vais vous raconter des petits exemples. Bon, à mon arrivée en France, il fallait que je travaille très difficile, passer les concours des Beaux-Arts, etc. Et dès le début que je suis arrivée, malheureusement, après tous les événements sociopolitiques qui a eu lieu en Iran et qu'on avait subi, à mon atterrissage, je sentais quand même déjà les préjugés des regards. Malgré que j'ai réussi d'aller aux Beaux-Arts, malgré qu'on m'a accueilli au bras ouvert, on peut dire au sein de l'art, ce qui se passait dans la société, chez les gens et la population parisienne a dû affronter une épreuve très difficile à travers de l'attentat qui a eu lieu à Tati,
Moi, je me rappelle très bien, dès que je suis arrivée, il y a eu un attentat. Et ce malheur, cette horreur a poursuivi, il me semble, depuis que je suis en France, entre Paris, Téhéran, les États-Unis ou Canada, ça poursuit un préjugé dans les regards. Ça veut dire un pays méchant qui terrorise les gens. Et ça, malheureusement, ça a une influence sur tous les arts, tout le travail artistique que les artistes attribuent, surtout en matière d'image, d'image au son ou d'image tout court, parce qu'on est dans l'époque de l'image. On est beaucoup plus dans une époque de migration à travers des images, comme vous voyez ce soir. Il me semble que, par exemple, dans le XVIIIe siècle, où il n'y avait pas tous ces médias ou médiums à travers de l'image photographie ou caméra. Donc, voilà, le problème vient que, avec ces regards préjugés, on est vite limité. On peut échelonner, on peut aller loin dans jusqu'à certaines limites dans notre carrière, mais là où il faut encore ouvrir la voie ou libérer la voie, puisque vous êtes issus des fois des pays durement politiques et sensiblement politisés, et ben alors du coup votre parole d'artiste, quoi que vous en dites, devient sous l'influence d'un regard très très politique et très dur, même à travers de pays d'accueil, et surtout en France, où on a beaucoup de problèmes quand même à travers des pays de Moyen-Orient, Proche-Orient, on a eu beaucoup d'enjeux en Afrique, etc. Donc ça devient très limité. À ce rajoute un peu les expériences que j'ai eues en matière de femme, que je dis toujours, être une femme est très difficile déjà pour mener sa profession. Après, en plus d'être d'origine iranienne, ça en est quelque chose. Et en plus, devenir exilée, et bah, du coup, vous avez le droit aussi au harcèlement, non seulement dans votre pays d'origine, où la femme devient une question très probable et pertinent quand même, assez important et fragile, et ben dans les pays d'accueil aussi, ça peut le devenir, surtout dans les pays latins et méditerranéens, peut-être plus qu'anglo-saxons quand même. Donc, où j'ai eu les expériences. Voilà, donc ça, c'est pour te répondre en bref, l'expérience artistique, en gros, le cheminement. Voilà. J'aimerais bien, si tu veux un peu approfondir la relation entre le politique, l'historique et l'artistique à la frontière de tout ça. Oui, très important comme question. Je pense que tant qu'on n'a pas compris l'entité culturelle d'un pays, qui se rejoint à son histoire dans son ensemble, non pas centenaire, mais de millénaire dans ce qui concerne la Chine, l'Inde, l'Iran, la Perse, ou après la Grèce et Rome, etc., enfin, l'Italie, etc. On n'a pas compris vraiment ni l'art issu de ces pays, ni leurs paroles. Parce qu'il faut comprendre que tous les rituels qu'on a, par exemple, aujourd'hui en Iran, c'est fête de printemps, nouvel an, c'est des fêtes nationaux, la fête du feu, la fête de la soirée le plus long, ce sont tous à la base des fêtes qui existent aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est passéiste qu'on en parle, c'est parce que ça existe, c'est vénéré encore, ça n'a rien de religieux, c'est complètement écologique, c'est complètement lié à la nature et c'est complètement lié à la philosophie zoroastrienne, non pas la religion, parce qu'il n'y a pas de miracle, et c'est très important. Et on a toujours nié depuis 40 ans qu'il s'est passé des événements politique important en Iran, même en France, on n'a jamais voulu véritablement donner la parole à l'entité persan, et on a réduit l'Iran aussi à son côté religieux d'aujourd'hui.
sans parler de ce qui se passe véritablement au cœur et à l'entité iranienne, dans la tête des Iraniens eux-mêmes, et que eux-mêmes, ils sont à la perte d'une identité et qu'ils sont en quête de cette identité, qu'il faut donner l'importance à cette quête identitaire. Alors, ce qui se passe dans toutes les télévisions basées aux États-Unis ou au Canada, parce qu'ils ont, il y a au moins 150 chaînes et radios iraniens à travers du monde entier. Aujourd'hui, on est en train de travailler vraiment sur l'entité iranienne. Qu'est-ce que l'entité iranienne qui se joint aux thématiques qui existaient depuis des milliers d'années en Iran. Et sans être passiste, parce que c'est très beau d'être toujours dans la... C'est toujours l'actualité de vénérer la nature qui est à la base de la pensée iranienne. Voilà. Et ce qui n'est pas par hasard qu'on voit dans le cinéma iranien le regard responsable des cinéastes envers les auditeurs ou les spectateurs qui leur donne ce regard aussi, cette voix, tu es responsable de ton acte. Donc le cinéma du réel. Ça veut dire que les Iraniens sont des grands documentaristes, sont des grands visionnaires dans leur regard. Ce n'est pas par hasard, ça vient de leur pensée depuis l'antiquité. Parce qu'on est responsable de ce qu'on fait dans notre acte. Il n'y a pas de, ni paradis ni l'enfer dans le culte zoroastrien. Voilà, justement. Voilà. Justement. Je voudrais redonner la parole à... Grande problématique, parce que... c'est une grande question. moi, je sais que je pense que l'art peut être une réponse, mais ce ne sera pas une réponse politique et ce ne sera pas une réponse finalement qui va permettre d'ouvrir ces frontières-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans autre chose, dans la fermeture. Ouais. Mais moi, j'ai choisi quand même la question de l'art. Je trouve que c'est une réponse peut-être justement à cette possibilité. Je rebondis un peu sur ce terme d'entre-deux qui était utilisé auparavant. Et je trouve que, notamment dans les ateliers d'art-thérapie, à la fois la créativité et la possibilité de finalement raconter des choses beaucoup plus douces que dans la parole, parce que étant donné que je reçois souvent de manière individuelle, donc en entretien clinique, on va dire en classique, en face à face, et puis dans le cadre des ateliers, se raconte complètement autre chose, c'est-à-dire que le groupe peut permettre justement une autre parole, quelque chose de plus apaisé autour de cette question de l'entre-deux et d'arriver à peut-être à construire une identité qui pourrait lier les deux. Parce que je crois que c'est aussi ça, la question de la frontière. La frontière, c'est aussi entre soi et l'autre. Et voilà, je dirais que oui, peut-être l'art permet de répondre à cette question et à ces difficultés. Très bien. Voilà. Merci, Annelise. Je redonne aussi la parole à Rokhshad parce que oui. Je voulais lui poser juste, elle a déjà parlé de toutes les conséquences d'être en exil, etc. Mais c'était, comment on peut dire, est-ce que tu trouves dans ton vécu, dans ton engagement, quelques solutions, quelques barlume di luce, di spiraglio di luce, comme on dirait oui. En italien, qu'on peut donner pour faire changer les idées, pour faire changer aussi la politique, hein, d'une certaine manière. Ah, première chose, il faut enlever la peur, parce que la peur, je pense que c'est la source de toutes sortes de censures qu'on émet dans le monde. Que ce soit par soi-même, qui s'appelle l'autocensure, ou que ce soit par les acteurs ou ceux qui tiennent le pouvoir exécutif. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il y a cette frontière entre le courage et la peur. Donc, la peur nous enlève le dialogue, la quête de vérité, la connaissance, la prise de conscience. Donc, voilà, il y a une première chose. Deuxième chose, donc, enlever la censure de parole, mener plus de dialogue. Et puis, évidemment, de ne pas croire que
c'est à nous de donner ou à quelconque pouvoir de donner la liberté ou libérer les populations. Parce que plus on crée les frontières, comme on a fait par ailleurs en Israël ou en Palestine, ou etc., ou au début du siècle dernier, plus on fait des frontières entre, on crée les frontières entre les nations, plus on enflamme les guerres. Et voilà pourquoi on est dans sous cet engrenage, on est mal parti, parce qu'il n'y a que des guerres. Et pour ça, il y a une solution véritable. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai tout fait, j'ai créé, j'ai essayé, je essaie à travers de l'art de sublimer beaucoup la parole ou la voix, le cri, comme elle dit Anne-Lise. Mais il y a aussi une autre vérité. Ce sont les choses concrètes qui se passent au niveau des contrats entre les pouvoirs exécutifs, ceux qui décident à mener des guerres, vente des armements. Bon, ça, c'est très important. Il faut éviter la fuite des cerveaux parce qu'il y a une malaise qui se émet partout. Moi, je vois bien au Canada, parmi beaucoup d'Iraniens qui sont partis, ils arrivent à avoir des voitures, des maisons, une belle famille, mais il y a une dépression qui s'est installée dans beaucoup, beaucoup d'eux, souvent. Il y a une malaise quand même. Merci, Roxane. Oui, très, très juste. Et donc là, c'est le moment d'une petite, disons, pause, dans le sens que j'ai demandé toujours à notre Joséphine de faire une chanson particulière, une chanson qui est vraiment alla frontiera, alla riva di Lumare. Il s'agit de Giulia di Fornovo, une chanson magnifique. Je voudrais l'introduire un moment parce qu'elle m'a rappelé vraiment que c'est quelque chose qui se trouve à la frontière entre l'intime et le social. Mais en effet, en y réfléchissant bien, c'est comme Zoom. Zoom, il rentre dans les maisons. C'est vraiment la frontière entre les privés et les publics, entre l'intime et le social. Moi, je n'aurais jamais imaginé de faire un spectacle avec une robe en velours rouge et mes pantoufles. Voilà, Joséphine de Fornovo. Alors, dove sei? Attends. Allez, mettre en évidence. En fait, dans ce chant, moi j'adore justement la frontière, c'est dans les chants ce que ça raconte, et c'est intemporel, et j'adore me plonger dans, dans cette no man's land, on va dire. Il n'y a ni temps ni et toutes les informations qui sont données par ce chant. Le chant, elle raconte ces femmes, cette femme qui a tout pouvoir, le pouvoir de guérir, le pouvoir de transformer en sel. Il y a toutes pas les tragédies, mais Mo, aide-moi, Mo est partita. Morena. Bon, est partita. Bene. Bref, tout. Voilà, la Grèce, les mythes. Voilà. Donc, elle transforme en sel. Et donc, voilà. Proviamo, hein? Ouais. Dove sei? All'arrivo, all'arrivo. All'arrivo, all'arrivo di Lumare. C'era una donna che fermò il sole, fermò il sole. C'era una donna che fermò il sole. Il nome suo è Giulia di Fornovo, bianca, bianca come l'ovo nuovo, ma l'ovo nuovo. Bianca, bianca come l'ovo nuovo. A sera
c'era una statua di sale, a sera c'è quante fiate vole, sa faccia la patruna la finestra, non ammazza la cerva ca è mia, ma ca è mia. Cerva, che so venute capre tenatia, ma prenatia, che so venute capre tenatia. Yes. Et c'est ce partage aussi avec le signifiant de je vais pas de perdre faire je ne vais pas rentrer dans ton jardin et je ne vais pas perdre ta, de faire de, pardon te faire perdre ta virginité, mais je suis juste venue t'aimer. Donc, c'est dans les chansons, il y avait tous les messages aussi. Et voilà, dans cette frontière où il y a toutes ces femmes qu'on nous a racontées, ces femmes aussi qui sont violées, ces femmes qui sont violentées, toutes ces femmes, c'est toujours le risque. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, il semblerait que Rokshad a encore à dire quelque chose sur le côté psychologique. On y va. Rokshad. Oui, en fait, oui, parce qu'on a parlé des solutions, mais c'est vrai qu'avant, il fallait parler des conséquences psychiques, que beaucoup, on en a parlé beaucoup. Mais je voulais quand même ici inviter Paris, Maman Paris, qui est un personnage dans le film Jeunet, et j'aimerais bien quand même ce soir pouvoir parler de cette résistance à travers de l'art qui libère la parole ou la voix, qui donne la vie, réexister vraiment, pour réexister, c'est primordial. Et donc, Lobat, si tu veux bien, si tu m'entends, essaye de donner la parole à maman. C'est chez Lobat? Oui. Ok, alors on met... Juste, je voudrais qu'elle parle d'elle. Ah. Oh, bonjour madame! Bonjour! Je suis contente de parler avec vous. Oh, merci d'être là, vraiment. Bon, peut-être que puisqu'elle comprend un peu français ou elle parle peu, je peux lui demander en persan et que je vous traduis très rapidement. Maman, yazare begin ke in film chera bartun khub bud. Je demandais pourquoi ce film l'a aidé, parce que c'est elle qui a été le moteur de mener le film Jeunet, que vous allez peut-être voir bientôt la semaine prochaine, où on va vous donner le lien ou les infos nécessaires en ligne. À travers du festival. Allez-y, maman. Maman, begin. Sari. Ma, ma, به خاطر جنگ از کشور اومدیم بیرون با بچه هامون و خیلی سختی کشیدیم و ناظر سختی های بچه هامون بودیم. به خاطر همین که خیلی سخت بود ما سرمونو زن و شوهر با هنر فقط سرمونو گرم کردیم ولی این فیلم خیلی به من نیرو میداد چون حرف دلمونو زدیم. خب بذاریم من حالا ترجمه کنم. ال دی که آن کیته لپی اکوز دو گر. Et on a été quand même pour nos enfants, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais malgré les distances. Et c'est que quand même, à travers de l'art, on a essayé de peindre et travailler, qu'on a réussi à continuer à pouvoir vivre, parce que l'épreuve
Alors, leurs âges étaient trop, trop difficiles. Et le film, Jeunet l'a aidé parce que, en fait, toute l'interview se passait par téléphone à travers d'une voix enfantine et elle se libérait à travers de cette voix elle se confiait en fait au téléphone par la voix depuis 12 ans où on a travaillé sur ce film et que voilà, donc c'est une très belle expérience qu'elle a participé et à son insu bien sûr on a enregistré. Merci madame. دیگه چیزی نداریم بگیم تموم شد تموم شد من میخوام که به جوونامون بگم پدر و مادرای سن بالاشون رو نیارن از کشور بیرون چون خیلی سختی میکشن با فرهنگ دیگه نمیتونن به این زودی ها جذب بشن مرسی Elle dit que je veux juste dire à la jeune génération ou la jeunesse pourquoi quand ils partent, pour quoi qu'il en soit, les raisons, n'essayez pas d'amener vos parents vos vieux parents, etc. Parce que émigrer à l'âge avancé est quand même très, très douloureux. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. Alors, je voudrais donner la parole maintenant à Flore, parce qu'on risque sinon de la perdre avec les boulots qu'elle a à faire. Flore, t'es arrivée? T'es là? Tu veux brancher ton micro, ta caméra? Flore? Flore? Non? Alors. Alors, on fait parler Valentine. Flore, tu n'es pas là? Pardon. Hein? OK. Alors, Valentine, tu es là, Valentine? Je suis là, Morena. Oui, ouais. Oui, tout à fait. Alors, je te mets l'évidence. Alors, Valentine, formée en tant que comédien à l'Atelier international de théâtre de Paris au Théâtre du Soleil, au Centre Grotowski. Tu as une maîtrise en lettres modernes, une en art du spectacle, un master d'indonésien, un diplôme d'art thérapeute. Alors, Valentine, ton cheminement est riche du pluridisciplinaire, on pourrait dire. Donc, en tant qu'artiste, tu chantes, tu écris, tu joues, tu mets en scène, etc. Tu filmes, tu es réalisatrice aussi. Est-ce que ce rapport à la frontière entre les arts, etc., qui te permet de continuer ton expérience si engagée? Alors, déjà, merci beaucoup Morena, mais de temps en temps, j'éteindrai ma caméra parce que je vous perds. Alors, voilà. Okay. Hein? Donc, pardon. Alors, peut-être éteignez quelques caméras si vous pouvez dans le public ou dans les intervenants pour un petit moment, voilà, pour essayer de donner plus de lignes à Valentine. Merci, merci beaucoup. Donc, je crois que, enfin, j'ai entendu la fin de ta question sur. La pluralité de justement des arts et en fait je crois que justement on arrive sur la terre, en tout cas moi mon expérience d'arriver sur la terre c'est d'avoir intuitivement un besoin de compréhension et de prise en charge un peu globale. En fait on arrive aujourd'hui et de plus en plus dans un monde très fragmenté, très séparé, avec intuitivement j'avais pas envie d'être mise sous cloche, assignée à résidence. J'avais besoin d'ouvrir les voies de la connaissance et finalement l'art avec toutes ses branches, en tout cas plusieurs, pas toutes, j'ai pas du tout cette prétention, mais je veux dire il y avait en tout cas un appétit qui était la possibilité de chercher justement une capacité à exprimer ce qui est au-delà des mots peut-être et au-delà même d'une compréhension mentale simplement. Donc c'est vrai que c'est passé par
comédienne, par chanter, par écrire, par tourner. Et en fait, cette multi ou transdisciplinarité, je ne sais pas, c'est comme pour toucher des territoires inconnus, je crois, et utiliser différents outils qu'on a tous à notre disposition, plus ou moins selon les cultures, et assez peu finalement, je trouve, en France, d'exploration de l'être humain. Je dis depuis quelques années, avant je disais que j'étais française, maintenant je dis que je suis française que depuis que je suis née. Et en fait, je pense qu'il y avait comme ça un besoin de... d'aller fouiller ma terre promise, la mienne, quoi, vraiment mon propre territoire. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, avec plus de recul évidemment, qui fait sens en fait entre le fait de chercher à l'intérieur de soi et de chercher le sens du monde. Enfin, juste par rapport à ce que tu m'as demandé, c'est vrai que j'avais comme un besoin de relier une vie intérieure qui était dans cette fragmentation avec l'action extérieure. Donc, la vie intérieure, c'était vécu, je le vivais comme un essentiel impératif. Et puis, alors, le rapport aux autres et surtout à l'action, c'était une grande question. La relation allait. Et voilà, donc, il y avait déjà cette notion de franchir quelque chose. Ah oui. Pour aller. Et donc, c'est pour cette raison-là, peut-être, que ce projet, l'au-delà des frontières, s'est imposé à toi et tu es parti sur cette idée. Oui, et l'au-delà des frontières, c'est aussi, ça fait quelques années là, je vais dire après ce que c'est précisément, mais disons que c'était aussi une réponse à c'est une crise humaine en fait. On a parlé de crise de la migration, mais c'est une crise de société, c'est une crise de civilisation, parce que c'est extrêmement choquant de voir comment on est colonisé en fait par un imaginaire qui est un imaginaire marchand et comme ça s'insinue partout et c'est difficile de se tenir debout à l'intérieur de ça. Il y a des peurs aussi, il y a des beaux commentaires sur la peur, justement. Oui justement, cette peur qui est l'ami du fascisme, hein, quelqu'un va en parler après, justement, mais je ressens sur une chose, c'est-à-dire que quand je disais cette peur qui est l'ami du fascisme, qui fait que les frontières ne sont pas juste des espaces circonscrits où il peut y avoir des mains tendues, des franchissements, une porosité, une circulation, comme la circulation du sang dans un corps, la circulation d'une population, c'est extrêmement vivifiant pour le corps collectif, effectivement. Et du coup, ces frontières qui s'érigent en murs assassinent, bien sûr. C'est là, au moment où on est en train de parler, des gens sont en train de mourir de ça, de cette peur qui est inoculée pour le coup comme un virus extrêmement meurtrier et qui est étayée par des propos. Encore une fois, hein, je disais, on est colonisé, c'est vrai, par un imaginaire, par un projet de société qui est un projet néolibéral, capitaliste. Et oui, il y a une alternative, mais il faut qu'on aille, à mon sens, justement, dans une pensée qui soit au-delà de cette pensée capitaliste qui est en nous, hein, le truc de « there is no alternative », il n'y a pas d'autre alternative que le capitalisme, dit il y a quelques années par Thatcher. En fait, c'est devenu une espèce de vérité pour beaucoup. Et je pense que même si ce n'est pas une vérité pour moi, ni pour bien sûr les gens qui sont là, a priori, c'est quand même une vérité qu'on respire. On a besoin pour respirer, pour vivre, de respirer, et on ne peut pas enlever la pollution qui est dans l'air. Et les pensées, j'ai vraiment cette sensation qu'on est obligé de faire avec ce qui rentre dans cette propre terre, la nôtre,
et que j'ai besoin d'en être consciente. On parlait de solutions tout à l'heure, et je pense qu'en étant conscient de comment on est un petit peu abîmé, pollué, on peut être trouver des gestes résilients et trouver des gestes artistiques. Et simplement pour faire comprendre, en tout cas, l'au-delà des frontières, c'est effectivement un projet que j'ai proposé, que ma compagnie de théâtre, chant, vidéo a organisé, qui sont en fait des rencontres, des temps forts entre des jeunes réfugiés, des jeunes pas réfugiés ou anciens réfugiés selon l'ADN, et des artistes, des penseurs, des politiques, et qui est justement un temps où la pensée vienne se transformer dans un geste artistique, poético-politique, pour être contagieux, pour nous donner de la force à nous-mêmes, parce que c'est important, et qu'on ait de la force ensuite pour aller justement véhiculer cette alternative, en fait. Absolument. Magnifique. Merci, Valentine. Je voulais appeler le professeur Nader Vahabi. Pardon, Morena, il y a une chose aussi, il y a une dernière chose que je voulais dire, parce qu'on a parlé justement de cette, du chant avec Joséphine, etc. Et j'avais juste envie de dire que via le chant, via le travail sur soi, qui va un peu ensemble, oui. Le chant peut être, et ce que j'entendais aussi sur les ateliers, l'art, la thérapie, mais en tout cas le chant est vraiment un véhicule qui fait, qui réveille et qui réactive des mémoires. Donc voilà, j'avais envie de dire ça parce que c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup. Et puis du coup, enfin, il y a le livre que j'ai écrit qui s'appelle « La mémoire mère du corps enchanté » qui est vraiment là-dessus, c'est-à-dire sur cette mémoire du corps qui est en nous. Et quand je disais que ça faisait que quelques temps que je disais que je suis française depuis que je suis née, c'est parce qu'avec toutes ces origines révélées, il y en a que je savais, il y en a que j'ai redécouvertes et qui sont inscrites dans nos corps. Et je pense que c'est important de faire cette reliance à l'intérieur de soi. Et les jeunes réfugiés, ou plus âgés d'ailleurs, qui arrivent, passent aussi par un ancrage dans le corps. Voilà, c'est aussi, où que je sois, je peux ne pas être en exil s'il y a un enracinement. Voilà. Merci Valentina. Je vois les têtes de Joséphine, la possibilité. Rachel, toutes ces gens qui chantent et qui connaissent bien l'enracinement par les chants. Merci de l'avoir souligné, vraiment très important. Merci à toi, merci à vous. Nathalie aussi, elle travaille sur ça. Voilà, tous ces gens vraiment qui... La voix et les corps. Donc justement, demain, il y aura l'atelier que Joséphine va faire sur les corps et la voix. Et je trouve que c'est vraiment fondamental de travailler cela, vraiment. Merci. Donc, le professeur, est-ce qu'il est là avec nous, Nader? Vous êtes là? Bonsoir, oui, je suis là. Très bien, donc je vous donne l'évidence en vous présentant un moment. Donc, franco-iranien, sociologue à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Il est auteur d'un nombre important d'ouvrages et d'articles en français, anglais et persan sur les thèmes de la diaspora iranienne, de la mémoire, de la gestion du passé, de la transmission démocratique du flux migratoire mondial. Donc, j'ai dit tout là. Donc, professeur, vous êtes à la frontière des langues, des cultures, de disciplines. Est-ce que vous vivez cela? Comment? De quelle manière? Comment vous les portez, toutes ces cultures? Voilà, dites-nous un peu quelque chose. Moi, je ne vous connais pas, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Donc, voilà, je vous découvre. D'accord. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci, Morena. Merci, ma compatriote Rochad, qui m'ont invité pour ce séminaire qui me parut très, très riche. Je n'ai pas eu un séminaire autant d'artistes venant d'horizons différents
qui on parle d'une question qui est actuellement très, très problématique dans le champ migratoire en sciences sociales. Bon, je m'appelle Nadia Bahabi, je me suis installé en France en 1994 suite à un nombre important de problèmes que j'ai eu dans un nombre important de pays. Finalement, je me suis installé définitivement en France et pour reprendre mes études ici en France. Et puis, après une étude sur maîtrise de sciences politiques, j'ai fait une DO à l'époque, Master 1, Master 2 n'existait pas, diplôme approfondi de l'enseignement supérieur. Et finalement, j'ai fait une thèse sur la mémoire des exilés iraniens. En fait, ma thèse reflétait mon parcours. Rokhsat, je suis vraiment, vraiment ravi d'entendre deux générations de la révolution iranienne. La mère de Rokhsat, il a vécu sous le régime de Shah. Ma génération était la génération de la révolution iranienne de 1979. Ma thèse, voulait poser cette question, répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant la révolution de 1979 et pourquoi cette révolution a finalement le basculement de la révolution dans la répression à partir d'une période, on peut dire, plus ou moins printemps de la révolution iranienne et ensuite, pourquoi autant d'exilés ont pris le chemin de l'exil à partir de 1981. Et qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne la mémoire des exilés? Est-ce que cette mémoire est tangible au moment d'arriver en France, en Allemagne, ailleurs? Ou chemin faisant, c'est ce qu'on dit dans la sociologie de la mémoire, j'ai pris le concept de Maurice Halbwax, un grand, grand sociologue français, qui a beaucoup travaillé sur la notion de les cadres sociaux de la mémoire, c'est-à-dire le processus de resocialisation, intégration dans les pays hôtes, change au fur et à mesure la mémoire des individus selon les statuts sociaux. Bon, après la mémoire, ma thèse, j'ai eu un nombre important de livres, etc. Finalement, j'ai constaté que ma carrière scientifique n'est pas encore terminée. Il faut que je fasse mon HTR. Parce que je suis un exilé, je suis un réfugié, pour entrer dans le moule, dans le, enseignement supérieur, il faut que je fasse jusqu'au bout de mon travail. 2013, je fais un diplôme HTR, habilitation à diriger des recherches. Et dans mon travail de habilitation de recherche, j'ai essayé proposer c'est ce qu'on dit en sociologie de la migration, la quatrième socialisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en règle générale, dans la sociologie, lorsqu'on parle de la carrière, c'est un concept, on peut dire, générique. Tout le monde, on dit, pour les individus qui naissent dans le même territoire, ils prennent le chemin de l'école, après un stage, une formation, finalement, ils décrochent un poste, un travail, un emploi. Or, pour les individus qui changent leur pays d'origine, qui changent les trajectoires, qui s'installent ailleurs, il y a une quatrième socialisation. Ça veut dire que première socialisation, c'est la famille, deuxième socialisation, c'est l'école, troisième, c'est le travail, et quatrième, pour les individus qui viennent s'installer ailleurs, il faut qu'ils fassent effort pour mieux comprendre la culture, la structure sociale des pays hôtes. Pour répondre à votre question, cher Monod, avant de venir en France, nous, les intellectuels iraniens, la diaspora iranienne, Rokhsat, il a bien, bien expliqué, on a des illusions par rapport à la France, les pays hôtes. Or, la réalité sociale nous amène vers, c'est ce qu'on dit, illusion et désillusion, c'est-à-dire la réalité sociale n'est pas du tout pareil avant de venir en France. Vu qu'on a, dans le temps très, très limité, je vous envoie mon livre, « Mémoire d'un parcours migratoire, le cœur d'un sociologue franco-iranien ». Pourquoi comme ça?
Laissez-le un moment comme ça. Oui, très bien. Ça va aller? Très bien, parfait. Ouais. Alors, pourquoi ce sous le franco-iranien? Parce que ma pensée, ça fait 26 ans que je suis définitivement en France, ma pensée, ma réflexion n'est pas aussi vierge qu'il y a 26 ans. Actuellement, je touche deux cultures, culture iranienne, culture française. Les deux, d'ailleurs, c'est un, comment dire, c'est un acquis de ma réflexion, de ma pensée, de ma réflexion. Quand je suis venu en France, ma langue intellectuelle, c'était anglaise et iranienne. Là, actuellement, ma langue anglaise, c'est française. À titre anecdotique, je vous donne un exemple. On a eu un prof, Christine, lorsque je faisais mon, comment dire, DALF, d'apprendre à profondeur de la langue française. Après 2 ans, je lui ai demandé, Christine, on en est assez, toujours, on a des problèmes pour la langue française. Il a dit, Nader, est-ce que vous rêvez en langue française? J'ai dit, non, pas encore. Il a dit, attendez encore un petit peu. Pour vous dire que tellement, tellement difficile pour, comment dire, apprendre une langue et re-socialiser dans le pays. Voilà, j'ai essayé d'être très, très bref magnifique, par rapport à votre question. Magnifique. Oui, j'ai le même problème avec mon fils qui rêve, il connaît plusieurs langues et quand il rêve, il parle dans les rêves et ça dépend de qui il rencontre dans les rêves. Alors, oui. S'il est espagnol, il parle en espagnol. S'il est italien, il parle en italien. Même les Chinois, maintenant, il parle. Et donc, si dans les rêves, il rencontre un Chinois, il parle en chinois, donc. Alors, professeur, on continue avec quelques questions. Je vous en prie, allez-y. Mais j'ai j'ai resté limité par rapport à votre question pour respecter le temps. Non, j'aimerais bien vous poser la question sur cette idée des transactions démocratiques des flux migratoires. C'est une très bonne question. Donc, mes collègues, ils ont bien, bien expliqué. Je voudrais un petit peu prendre le distance par rapport à, comment dire, au flux migratoire actuel. En sociologie de la migration, en sociologie de la frontière, on a 3 périodes qui sont classiques en sociologie de la migration. La période fordiste, la période post-fordiste, la période transnationale. Ça veut dire quoi? Très, très brièvement, la période fordiste, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale et on a besoin, l'Europe était le théâtre de la guerre, l'économie de l'Europe était ruinée, on a besoin de relancer l'économie, on a besoin de main-d'œuvre, les individus entre 19 et 30 ans pour relancer l'économie. C'est la première période. Deuxième période, à partir de crise économique pétrolière de 1974, on n'a plus besoin des individus main-d'œuvre, on a besoin des individus avec une qualifié qui soit qualifié dans certains métiers. C'est ce qu'on dit, le passage, si vous voulez, d'une migration subie avec une migration choisie. Et enfin, la dernière phase, la troisième période, la phase de transnational, la globalisation. La mondialisation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout simplement qu'il y a des individus, il y a des déplacés qui défient la souveraineté de l'État-nation. On défie le concept de la frontière. Pourquoi? Parce que l'État, il est légitime, il est souverain de choisir qui vient dans ses frontières. Qui vient dans ce pays ou pas? Or, à partir des années 90-95, là, on s'aperçoit que nous sommes en train de remettre en question la légitimité de l'État-nation. C'est ça qu'on entre dans une étape très importante. Il y a à ce moment-là deux processus. D'abord, par les pays européens, la fermeture de la frontière, à partir de 90, par la convention de Schengen, c'est-à-dire on définit la frontière avec deux manières. Une frontière avec à peu près environ entre 500 millions et 600 millions d'Européens, avec une libre circulation,
Or, en ce qui concerne au sud de Méditerranée, on ferme la frontière. Là, la conséquence depuis 90 jusqu'à là, selon les chiffres, on a eu entre 40 et 45 000 morts en Méditerranée. Lorsqu'en 2015, la crise migratoire, j'ai entendu ici par certains de mes collègues, ils ont dit la crise migratoire. Je ne pense pas que le concept de la crise migratoire est bonne réponse. En fait, la crise, c'est la crise de l'accueil. J'ai essayé de, comment dire, de voir à partir de comment dire, crise de l'accueil de 2015, quel est le bilan de mort des individus en Méditerranée. C'était l'objet de mon livre, Crime d'État, qui porte la responsabilité des morts en Méditerranée. J'attire votre attention sur le tableau que j'ai eu ici. Vous voyez, je ne sais pas qui est dans le tableau, vous voyez. On a trois tableaux ici, trois régions. Méditerranée orientale, Méditerranée occidentale et Méditerranée centrale. Les chiffres, j'ai eu à peu près 19 000 morts en 2020. Et à travers ça, il y a de plus en plus les sociologues, les anthropologues, les voix s'élèvent pour revenir sur le concept de la frontière. On passe, si vous voulez, d'un concept étatique, juridique, gouvernemental vers un concept plus ou moins sociologique, tel que j'ai entendu dans l'intervention de mes collègues précédents. Quand on dit un concept sociologique de la migration, de la frontière, tout simplement, ça veut dire que la frontière n'est pas un concept figé, immuable, identique, mais c'est une construction à travers le temps. Pourquoi? Je vous envoie le travail très intéressant de Gérard Noiriel, La tyrannie du national. Il défend cette thèse-là à partir du au milieu de deuxième moitié du 19e siècle, à partir du monde où on a proposé la carte d'identité, la frontière est devenue immuable. C'est-à-dire, on fait une définition frontière avec une approche juridique et étatique. Le moment est arrivé qu'on va vers une approche, si vous voulez, sociologique et anthropologique. Wow! Extra! Merci vraiment pour cette intervention. Je voudrais passer la parole à Fulvio Caccia, donc écrivain, journaliste, militant associatif, qui a publié une vingtaine d'ouvrages dont Diversité culturelle vers l'État culture. Fulvio, tu es là? Fulvio? Oui, oui, je suis là. Ah, parfait. Donc, je voulais. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, tu es également le cofondateur de l'Observatoire de la diversité culturelle, oui. Président de Lingua Franca. Et il y a un an à peu près, tu es rentré dans notre Université populaire Transil. Oui. Alors, je dirais deux mots de Lingua Franca, qui est une association, un collectif d'écrivains, de traducteurs et de chercheurs qui s'intéresse à l'avènement de la littérature transnationale, justement, au-delà et à travers les cultures, pour fonder ce que déjà les grands écrivains fondateurs des grandes littératures dites nationales avaient découvert bien avant, notamment en Italie avec Dante. Et Dante, il y a 700 ans, on va célébrer l'anniversaire de sa mort cette année, dans ta ville natale, ma chère. Ravenna, bien sûr. Et, il avait tout de suite compris de quoi il s'agissait à travers le langage, qu'il fallait revaloriser, parce qu'il, lui, cherchait la langue de la poésie, la langue qui n'était pas nationale. Elle est devenue beaucoup plus tard pour l'Italie. Il faut attendre l'avènement, hélas, du fascisme et de la télévision pour qu'elle devienne véritablement une langue véhiculaire imposée par la puissance de l'État, justement, donc, qu'on évoquait. Voilà. Donc, Lingua Franca, voilà. Une association des frontières. Oui,
Ben moi, j'ai toujours été dans les frontières. Alors, voilà pourquoi, moi, pourquoi je fais l'éloge de la frontière. Pourquoi il faut des frontières? Et il faut les développer, les multiplier, les renforcer. Pas de frontières, pas d'identité et pas de vie. La frontière est essentielle à l'existence humaine et à l'existence de la vie, même la vie biologique, la vie animale, tout ce qui nous entoure est frontière. Alors, c'est pourquoi je souhaite développer, là je cherche mes petites notes, je cherche à développer donc cette approche qui, contrairement, bon, évidemment, ce qui a été dit, évidemment, la frontière, il faut la prendre comme une ligne de démarcation, une ligne de partage qui nous oblige à la fois à nous faire advenir comme être parlant, comme être, advenir à la vie, à voir le jour. C'est la raison pour laquelle, comment dire, la vraie question, c'est comment on traverse les frontières, parce que tout est frontière. Et la dernière frontière, c'est la mort. Il n'y a plus de frontière. On est dans l'inexistant, on reste dans les différentes sensations, les déterminations. C'est la mort. Donc, alors, comment traverser les frontières? C'est l'histoire de la condition humaine, finalement. Et c'est l'histoire aussi de la condition individuelle. Et moi, ma première expérience de la frontière, eh bien, c'est ma naissance. Et c'est ce que je partage avec tout un chacun. On est tous nés. Hein? Lorsqu'on a traversé le corps et sorti du ventre de notre mère, hein, qui est une frontière, et vous, mesdames qui êtes devenues mères, vous le savez, hein, eh bien, on advient, on voit le jour, on est, et on devient nous-mêmes une frontière, puisqu'on est attaqué par quoi? C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, par justement agressé par l'environnement, constitué notamment de virus, dont il nous faut de nous vacciner. C'est la raison pour laquelle on nous donne une identité, il faut nous nommer, et en même temps, on nous vaccine. C'est la double comment dire, affirmation de nous, que nous sommes devenus, en naissant, en voyant le jour, une frontière. Et il faut résister, justement, pour développer nos frontières immunitaires. Parce que nous avons nos propres frontières. C'est ça à quoi nous renvoie le virus, la pandémie dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Nous sommes rendus à ce que philosophe Michel Foucault définissait comme alors, j'ai oublié le terme, du coup. Bio. Je cherche un terme. Biopolitique. La biopolitique, c'est-à-dire on est rendu à la nudité complète de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres vivants et ce que nous apporte, ce que la société nous amène, ce sont justement ces superpositions qu'on pourrait appeler des frontières qui nous permettent de vivre. Et le rêve de Titien est très évocateur puisque on peut retrouver là ce qu'on a vécu. La communauté juive et tzigane, lorsqu'on les a dépouillés jusqu'à et rendus à leur nudité biologique qui les condamne à la mort, tout simplement. Lorsqu'on meurt, on est dénudé de tout cela. Cela est dit, donc, ceci dit, dans ma vie personnelle, j'ai vécu l'immigration qui est vers la dernière frontière du continent nord-américain, qui était le Canada. Et cette expérience de l'immigration, je l'ai portée aussi par mes grands-parents qui eux-mêmes avaient fait des déplacements. Mon grand-père maternel était allé à New York, donc dans la vie familiale, dans l'histoire familiale, le roman familial, que tout un chacun, et notamment beaucoup d'Italiens, puisqu'on est quelques-uns autour de cette table numérique, dans ce salon numérique, avons dans notre mémoire cette histoire de l'immigration, où on se déplace vers l'ailleurs, et on se transforme aussi, parce qu'il y a
il y a trois manières de traverser une frontière. C'est pour ça qu'il faut, comment dire, traverser une frontière par nécessité. Lorsqu'on est, là je pense à un philosophe qui s'appelle Démocrite, qui disait tout ce qui existe dans le monde, dans l'univers, est le fruit du hasard et de la nécessité. Lorsqu'on est, eh bien, c'est une force intérieure qui nous pousse vers l'extérieur. C'est ça qui nous fait advenir. Et cette nécessité, elle est nécessaire, justement, c'est le cas de le dire, lorsqu'on doit franchir une frontière. Et il faut donc le faire humblement et au bon moment et savoir pourquoi. Quand, comment, pourquoi. Parce que si on le fait trop tôt, on risque... Il y a un risque, bien sûr, quand on traverse les frontières, on risque de mourir. Et aussi, on le fait aussi sans avoir une claire idée de ce qu'on souhaite y arriver, faire. On le fait aussi pour des volontés, une volonté de puissance. Lorsqu'on traverse une frontière, on peut aussi mourir, mais aussi on peut tuer. On peut aussi décider d'agresser l'autre et de tuer. Toutes les guerres sont le résultat de transgression des frontières et une volonté de puissance, d'hybris, comme disaient les Grecs, et donc de dominer l'autre et de l'assujettir. C'est la raison pour laquelle, quand Jules César traverse le Rubicon, il dit que le sort en soit jeté. Adien corpora. Mais c'est une volonté de puissance qui l'anime. Pour dominer, finalement, voire coloniser et imposer le pouvoir de Rome. Cette volonté-là, elle est constitutive du pouvoir tel qu'il s'est construit en Occident aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le pandémie qui nous le renvoie en pleine figure. On n'a plus de frontières à dépasser dans ce sens-là. Il faut collectivement, historiquement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, prendre conscience que les frontières qu'il faut dépasser maintenant, elles sont symboliques, elles sont liées à l'éducation, elles sont liées à la transformation des frontières artificielles qu'on vient d'évoquer, effectivement, avec beaucoup de talent, et pour que autre chose advienne. Et ces frontières doivent s'appuyer sur la culture, on l'a beaucoup évoqué, sur l'art, mais encore faut-il que les artistes soient conscients des enjeux politiques et économiques que cela suppose. Et ça, on est loin du compte, parce qu'on est les artistes et les écrivains, j'en suis... Oui. Très peu conscient de ça. Bon, voilà, j'arrête là. Merci Fulvio. Waouh, extra. Vraiment très intéressante ton intervention. Je voudrais appeler Flore parce que je vois qu'elle est là. Je suis là. Ouais. Voilà. Bonsoir, ciao Morena. Bonsoir, ciao Flore. Attends, alors je te mets en évidence. Voilà, bonjour. Je te présente. Donc, écrivaine, journaliste indépendante française, spécialiste de l'immigration, diplômée en histoire. Tu travailles depuis 10 ans, non, tu as travaillé 10 ans à l'ONU. Et pour différentes ONG, etc. Depuis 2009, tu collabores avec le journal italien L'Unità sur les questions de migration et de racisme. Donc, tu es membre aussi du comité Vérité et Justice pour les nouveaux desaparecidos et tu es auteur également de différents ouvrages, dont la dernière, c'est La négation du sujet migrant. Donc, je voudrais un peu que tu décrives un peu ton métier. Donc, déjà, comme ça, on te connaît. Et après, on verra. OK. Bah, écoute, merci beaucoup de l'invitation. Je suis assez émue parce que, en fait, en ce moment-là, à l'instant, je travaille pour une ONG qui vient de secourir 379 personnes en Méditerranée centrale en moins de 48 heures. Donc, ça vous donne l'idée de la gravité de la situation. Ça faisait 5 mois qu'on n'était pas en mer. Et donc, le fait qu'en 48 heures, on puisse secourir un nombre si élevé de personnes, ça donne l'idée
de la dimension de la désapparition, de la disparition volontaire de ces personnes dans la mer Méditerranée et de ce qui est en train de se passer, comme a dit Nader, ce crime d'État. Mais j'y reviendrai, donc tu m'as demandé de me présenter rapidement. Oui, je suis aussi entre plusieurs cultures, je suis française, serbe, je vis en Italie. Je me suis tout de suite intéressée à la migration, vraiment assez rapidement. Je suis journaliste, mais j'ai une méthode un peu particulière de travail, c'est-à-dire que d'abord, je me laisse porter par l'intuition. J'ai une espèce d'intuition poétique de quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose de noir, quelque chose de refoulé, quelque chose d'invisible, quelque chose qui a été caché. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs que je travaille sur la violence invisible contre les personnes migrantes. Donc, je me laisse plutôt guider par l'intuition plutôt que... Je lis aussi, bien sûr, des centaines de rapports d'ONG, de droits de l'homme, de Nations Unies, etc. Mais le départ, c'est, oulala, je sens qu'il y a un grumeau, disons, du crime contemporain à venir. Et donc, c'est ça le moteur de mon travail. Ça a été toujours, oh, il faut que j'aille voir. Et puis ensuite, je vais vérifier. Je vais parler avec les personnes. J'ai commencé à Lampedusa en 2009. J'ai vécu les printemps arabes, comme on les appelle, de Lampedusa, donc avec cette espèce de centre d'accueil démentiel qui n'est pas un centre d'accueil, qui est une prison, où c'est la première fois que j'ai fait l'expérience de justement la frontière sur les corps, de comment les personnes étaient regroupées, étaient anéanties par ce que migrants, donc on les regroupe, on les met dans des cages. Après, j'ai travaillé beaucoup sur les centres de rétention. Et à partir donc de ce travail sur, en fait, alors je me perds un peu, je vais essayer de te répondre dans l'ordre. Donc, je suis partie de Lampedusa, j'ai vécu une espèce de réveil. C'est comme quand on ouvre une porte, on est dans sa petite vie, etc., et on ne se rend pas compte, et puis tout d'un coup, on passe de l'autre côté. Donc là, j'ai passé comme une frontière intime. Je suis allée de l'autre côté de ce qu'on ne nous montre pas. Les fils barbelés, la négation de l'autre, devenir fou l'autre, le rendre fou parce qu'on le prive de sa liberté, on le prive d'un futur, on le prive de ses affections, on le prive de ses possibilités de se réunir avec sa famille, même si bon, parfois on respecte le droit d'asile, mais pas toujours. Donc j'ai fait cette expérience très traumatique, je dois dire, je confesse, à Lampedusa. Et puis de là, donc, de ces cages, après je suis partie donc, dans ce travail de monitorage, j'ai visité tous les centres de détention en Italie, on a travaillé avec une très très belle campagne, avec des compagnons de route fantastiques. Après avoir vu cette espèce d'anéantissement de l'autre ne suffisait plus parce que là c'était encore un anéantissement justement derrière des murs, derrière des cages, donc c'était en fait assez circonscrit. Et puis tout d'un coup je me suis dit ben non, et je vais aller dans les ports et rencontrer les personnes qui arrivent. Donc après j'ai travaillé, ça fait depuis 2009 que je travaille aussi sur la Méditerranée, et là c'est ce que j'appelle la frontière faille, c'est la frontière où on est en train de faire précipiter des milliers de personnes, donc qu'on ne veut pas. Donc, il ne faut pas parler de fatalité, on ne peut pas parler de naufrage. C'est en fait, les personnes qui disparaissent dans la Méditerranée aujourd'hui, c'est la conséquence de précises politiques, de choix. Donc, ne pas ouvrir les canaux légaux, ne pas ouvrir des canaux, des corridors, des couloirs humanitaires, ne pas aller évacuer les personnes en Libye, etc. Financer les lagers en Libye, financer la garde côtière qui refoule les personnes vers l'enfer. Donc, tout ça, je me suis de nouveau perdue, mais je voulais dire que c'était la frontière faille. Après la frontière cage. Et ensuite, finalement, en 2016, j'ai senti aussi ce qui se passait dans les Balkans et j'ai fait tout un reportage sur la frontière avec la Hongrie à partir de la Serbie, de la Croatie. Et les images qu'on voit là en Europe en ce moment de personnes qui marchent nues, enfin pieds nus dans la neige, ou alors ils marchent pieds nus parce qu'ils ont été refoulés par les polices ou les gardes frontières. Et on les voit avec des corps martoriés, mordus par les chiens, on les voit
vraiment torturée. Et là, je suis arrivée à la conscience de la frontière torture, en fait, d'une Union européenne qui est en train de torturer des personnes au cœur de l'Europe. On est en train de même de laisser des personnes mourir d'hypothermie en Grèce, en Croatie. On ne parle pas d'externalisation de la frontière. Là, on est vraiment dans la frontière interne, mais où quand même l'autre est rejeté et donc au risque de la mort. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, j'ai fait tout un parcours donc, entre le reportage droit de l'homme et aussi un reportage, une espèce de travail à partir des intuitions. Voilà. C'est un drôle de journalisme un peu de l'invisible ou journalisme. Oui, journalisme éclairé. Oui, professeur, oui, allez-y. Juste, excellent. Et grand merci, Flore, pour votre travail, très intéressant. Juste, je voulais revenir sur le concept de l'intuition. Et souvent, en particulier chez Max Weber, lorsqu'on dit l'intuition, c'est un processus avant que l'individu il a pensé, il a réfléchi, etc. Un exemple banal, il dit que lorsque Newton voulait parler de la gravité, ce n'est pas par un hasard intuition, parce qu'il y avait un processus avant. Finalement, il a découvert la félicitation. Bravo! Votre intuition, c'est un processus aussi dans la construction d'une hypothèse scientifique. Ouais, voilà, vous êtes gentil de me dire ça, mais vous savez, quand on est journaliste, on vous dit toujours qu'il faut être neutre, il faut être objectif, il faut ne pas dire, etc. Donc, oser dire que je suis partie d'intuition, c'est un peu difficile. D'ailleurs, maintenant, je fais autre chose que seulement du journalisme, heureusement. Mais je veux dire que ça a guidé le parcours parce que toutes ces violences sont quand même, elles deviennent manifestes. Je veux dire, le crime contemporain contre les migrants est aujourd'hui manifeste. Mais il y a 20 ans, disons, on sentait sans avoir les preuves. Donc, ça m'a donné l'idée d'un fascisme de la frontière, comme vous disiez justement, comme Valentine a exactement utilisé les mêmes paroles. En fait, maintenant, je pense qu'il ne faut plus parler de migration, il faut parler de notre fascisme, il faut parler de notre violence, il faut parler de nos tortures. On ne peut pas dire les migrations, les migrants, il faut parler de nous. Et je pense qu'on est... Alors, je reviens à la Méditerranée, parce que là, je suis un peu émue, mais vous imaginez ce qu'on vit en direct. Donc, la Méditerranée, là aussi, c'est parti d'une idée. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il doit y avoir aussi des naufrages qui ne sont pas forcément des naufrages... par hasard, disons que... Parce que oui. Je me suis posé la question de l'élimination. Voilà, oui, l'élimination de l'autre dans la Méditerranée, elle est en cours, elle est sous nos yeux, et pourtant on n'est pas du tout capable d'y réagir, mais il y a des naufrages qui sont pilotés, puisqu'ils arrivent sous le regard des avions, ils arrivent à côté des bateaux militaires, ils arrivent, il n'y a pas de fatalité parce que pendant 20 ans, on a raconté « Oh, il y a eu un naufrage », mais on n'a jamais aussi mis ensemble, en anglais, j'aime bien cette expression « connect the dots ». C'est vraiment que c'est une série de naufrages volontaires, et c'est un homicide, et je pense qu'on est dans une question, c'est presque un moment où on devrait dépasser la question de la frontière, puisqu'en fait, on est dans une civilisation qui est en train d'opérer un crime contre l'humanité et dans une civilisation qui est, moi, je l'appelle génocidaire, parce que nous, on considère, et on a un juriste extraordinaire en Italie qui s'appelle Luigi Ferraioli, qui a créé le concept de peuple migrant. En fait, c'est un peuple qui est en construction, en devenir, puisque ce sont des milliers de personnes qui se déplacent parce qu'il y a une redistribution de ressources au niveau de la planète, etc. Changement climatique, ce n'est pas à moi d'expliquer tout ce qui est en train de se passer. Mais on n'a pas considéré que ces personnes étaient en train de demander le droit à la fuite et le droit d'avoir une vie meilleure autre part. Donc, considérant ces personnes comme un peuple migrant, je pense qu'on pourra vite arriver à l'idée que, en fait, le crime, voilà, on est plus, si vous voulez, dans un débat sur la frontière, on est dans un débat, je pense, sur le crime contemporain. Le crime contemporain qui n'est pas encore nommé.
D'accord, ok. Juste une petite rebondir sur ce que ma collègue Fleur il vient de dire, c'est-à-dire là actuellement, dans la Méditerranée, il y a un arsenal juridique, un arsenal militaire qui est géré par Frontex. Et ce Frontex-là, depuis 3 ans, 4 ans, il a mobilisé contre les ONG dans la Méditerranée. À chaque fois qu'il y a un membre, où nous sommes ce soir parmi un nombre important des amis italiens, etc., on a très, très mal vécu avec le ministère de l'Intérieur italien, qui est pendant 12 ans, il a eu le responsable un nombre important des morts des migrants en Méditerranée en évitant le travail des ONG. Voilà. Absolument. Oui, si je peux juste redire une dernière parole sur la Méditerranée, c'est effrayant comme en fait, là, quand même au début, on pouvait continuer à parler de frontières et en parlera mon collègue aussi, Federico. Mais en fait, on est comme si on était entre l'Afrique et l'Europe et qu'il y avait une espèce de faille qui s'était créée culturelle, civilisationnelle. Et donc, on a jeté ces personnes dans cette fosse commune et on vit au-dessus d'une fosse commune et on n'arrive même plus à la nommer. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ce que je voulais dire, c'était que en fait, c'est pas tellement la frontière en tant que les autres. Moi, je pense que le problème, ça, c'est qu'on est en train de se faire du mal à nous d'ailleurs, en tant qu'occidentaux. J'ai jamais utilisé cette parole encore et ça me vient parce que là, je suis entourée de personnes qui sont conscientes. Et puis, il y a mon amie Morena, Joséphine. Donc, je sens que je peux dire ces choses, mais vraiment, c'est la sensation qu'en fait, on est en train de détruire profondément quelque chose. Et donc, en fait, ouais, on est clairement dans un passage historique. En tout cas, pour retourner, ce n'est pas seulement Frontex, c'est nos impôts, parce que le crime, il est structurel maintenant, il est bureaucratique, il est planifié, il est organisé. Nos impôts, à vous comme à moi, sont utilisés pour financer la garde côtière libyenne, qui vient là en 48 heures de nouveau de refouler illégalement au moins 150 personnes vers les lagueurs. Donc, c'est pas tellement, c'est plus une frontière justement. C'est vraiment là, c'est nous. Et la question que je voulais poser à Morena, parce qu'elle m'avait demandé une question, c'était comment ensemble allons-nous sortir de cette horreur, comment pouvons-nous briser cette horreur, mais surtout arginare l'anesthésie. Donc en italien, arginare l'anesthésie, donc ce serait essayer de briser l'anesthésie dans laquelle on est tombé. Voilà, ça c'est ma question à moi. Moi, je voulais intervenir juste par rapport à ça, parce que l'Union européenne a quand même dépensé des millions d'euros justement pour empêcher les migrants d'arriver en Europe, en bloquant les routes, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tous les gens qui migrent, notamment d'Afrique, se retrouvent à prendre des voies parallèles, passer beaucoup par le désert. Et en fait, il y a énormément de gens qui meurent dans le désert aujourd'hui. Moi, j'ai eu énormément de témoignages, parce que justement les routes sont bloquées et qu'en fait c'est l'Union européenne quand même qui a donné ces budgets-là pour empêcher les gens de venir en Europe. Et je trouve que ça c'est grave. Voilà, et c'est bon si dire par rapport à ça. Non, mais j'ajoute juste quelque chose parce qu'on est en train d'en parler. En fait, le crime se déplace, il est tout le temps connecté. On ferme une route, on a fermé la Libye. La léger, pareil, il y a des refoulements et des disparitions. Mais pareil, qu'est-ce qu'on a vu cette année? Eh ben, le retour de la route vers les Canaries. Il y a quand même 8 000 personnes qui sont arrivées parfois en quelques semaines. Et il y a eu des naufrages terribles sur cette route dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais en fait, voilà, tout est connecté. Et justement, la responsabilité de l'Union européenne, elle est immense, elle est vaste. Il n'y a pas une route plus qu'une autre. La barbarie de tout l'arc de barbarie qui va de l'Égée aux îles Canaries. Merci. Alors, on a parlé de l'intervention de l'Union européenne. C'est ce qu'on dit.
le protocole 11 de mars 2016 entre l'Union européenne et la Turquie. L'histoire de 1 égale 1. On rend un réfugié, à ce moment-là, on prend un autre. C'est un protocole pour rebondir. Bon, c'est pas pour publiciter mon livre. J'ai essayé dans mon dernier livre, c'est-à-dire montrer qu'actuellement, on a deux Europes. C'était l'objet de mon livre. Et une société autour de l'étranger est-elle possible ou non? J'ai essayé dans une approche socio-historique et philosophique pour répondre à cette question-là. L'Europe, actuellement, il est en porte-à-faux avec ses valeurs depuis la Renaissance, Montaigne, Voltaire, Emmanuel Kant, qui a défini un concept très simple, le droit de visite conscient. Et finalement, on arrive à la fin du XXe siècle, en 1994-98, avec le concept de l'accueil absolu chez Derrida. À partir du moment où un étranger, une personne frappe votre porte sans demander sa langue, sans demander sa religion, sans demander son identité, ouvrez la porte, reçoit cette personne. Là, vraiment, vraiment, l'Europe, elle est en train de, comment dire, aller contre ses valeurs depuis 4 siècles, contrairement à, comment dire, une approche philosophique-humaniste. Oui, magnifique. Vraiment, quelle belle discussion. Federico, tu es là? Federico n'a pas encore parlé. Oui. Alors, voilà. Du coup, pardon, je voudrais juste rajouter une chose. Peu importe le temps d'ailleurs, vraiment. On a besoin aussi là de passer du côté de l'éternité parce qu'il y a des choses urgentes, indispensables. Et je me dis, comment justement on est ensemble là, on a la possibilité de réfléchir ensemble, de se tenir debout intérieurement. Merci Flore pour tout ce que tu as dit. Je te tutoie parce que tu es amie. Mais justement, nous-mêmes, à nos endroits, comment on va pouvoir sacrifier un petit peu de ce confort extraordinaire qu'on a, intellectuel aussi, pour ne pas participer agir à l'intérieur de cette machinerie génocidaire. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des commémorations, j'en fais tout le temps, sur la Shoah, etc. J'ai transmis avec des spectacles, avec plein de choses, des travaux sur le système génocidaire mis en place dans d'autres pays et dans d'autres temps, et on y est. Oui. Tellement ces discussions, de partir avec des questions qui nous activent. Voilà. Je pense qu'il faut justement passer dans les racines, des sources du mal. Justement, il faut parler des sources du mal. La parole à Federico, s'il vous plaît, qui n'a pas encore parlé depuis le début. Comme ça, au moins, on a tous les personnages éclaircis. Federico, c'est l'invention de la frontière. Donc, son livre, il est architecte de formation, voyageur par vocation, comme il se présente. Et voilà, je te laisse tout de suite la parole autour de ton livre. Comme ça, on te connaît. Ah, merci, bonjour, bonsoir à tous. Je suis justement traducteur, voyageur, photographe. J'ai vécu longtemps l'Amérique centrale, donc dans des petits pays où il était souvent nécessaire de franchir la frontière, parce que c'était vraiment des petits pays liés, mais en guerre entre eux. Et donc à l'époque, ça fait 20 ans, 25 ans, c'était vraiment la frontière avec la poussière, poussiéreuse, avec des temps d'attente pour avoir les tampons sous passeport, comme à l'époque. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a formé. En plus, je suis italien, j'habite à Paris, j'ai traduit des livres de l'espagnol à l'italien, des français à l'italien aussi. Et donc, on peut dire que pour raisons professionnelles, personnelles et tout, depuis toujours, j'étais allé à la frontière, je suis intéressé au nomadisme. Et donc, depuis des années de recherche, de l'année 2015, j'ai sorti ce livre-là, L'invention de la frontière, que c'est un peu, on peut dire que c'est comme une phénoménologie de la frontière, la façon de manifester de la frontière dans l'histoire, dans la géographie, mais c'est surtout un cadre. Dans mon idée, c'est un cadre. Ça signifie un cadre qui contient la frontière, un cadre qui contient des histoires différentes, des narrations différentes. Voilà.
Merci Federico. Donc, il y avait Fulvio qui voulait poser une question ou faire une intervention? Oui, ben, en fait, là, je pense, je crois que tout le monde a parlé. Je voulais répondre sur les actions qu'on peut conduire. Ils sont de deux niveaux. L'action immédiate, ce qui est d'intervenir dans l'espace public à travers des pétitions, des actions concrètes pour aider justement les migrants. D'ailleurs, le mot a changé. Hein. On parlait d'immigrants avant. Maintenant, on est devenu migrants. Donc, condamné au mouvement perpétuel. C'est quand même important, les changements des mots. Et c'est ça plutôt mon champ d'action, c'est comment dans la culture et l'éducation et le langage, on se construit justement les frontières qui vont nous servir à séparer. La séparation est importante, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est la raison pour laquelle, puisqu'on parle de solutions, il est important, c'est la suite, toutes ces réflexions sur la frontière, je les ai cristallisées et développées à travers un essai qui s'appelle « Vers l'état-culture », tu en as parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce que l'état-culture? C'est justement la possibilité de développer d'autres types de frontières. Les frontières sont importantes, mais qui sont beaucoup plus englobantes et qui permettent de justement d'éviter ces conflits, ces léthargies, cet engourdissement dans lequel nous condamne l'avènement de l'État-nation. L'État-nation est une invention récente qui a 200 ans et qui a donné un grand développement de progrès, mais aussi aujourd'hui, on le constate, nous bloque, notamment à l'intérieur de l'Europe, parce que l'Europe est c'est l'Europe des nations, des États-nations. Il n'est pas constitué en tant que tel. Il n'y a aucun traité qui constitue politiquement, juridiquement, l'Europe comme un État, j'allais dire fédéral, qui permettrait notamment d'avoir une plus grande souplesse. En 2005, 2005, 150 nations dans le monde, il y a 198 pays, ont, à travers la déclaration de la diversité culturelle de l'UNESCO, ont signé, ont fait voter, ont sanctionné la Convention de la diversité culturelle. Et j'en ai parlé dans cet essai qui s'appelle « La diversité culturelle vers l'état culture », qui permet justement d'intégrer à l'intérieur des négociations économiques bilatérales qui existent entre les pays, vous savez, il y a beaucoup de commerce, la question du commerce est importante, la dimension culturelle. C'est un outil qui a été voté et, sanctionné et ratifié par les parlements de 150 pays sur 198, c'est déjà pas mal, qui peut être un outil important, notamment pour développer. Et là, ça demande des actions aussi ponctuelles pour permettre justement de faire en sorte que les frontières nationales ne soient pas des frontières tortures, comme vient d'évoquer notre ami, mais qu'elles soient vraiment accueillantes, qu'on remette sur la place, dans l'espace public la notion d'hospitalité. La notion d'hospitalité est une vieille loi, la loi de l'hospitalité, qu'il est urgent de réintroduire dans nos débats et dans notre approche du problème lié aux migrants. C'est une vraie question et qui nous interpelle, qui nous renvoie en pleine figure de ce que nous avons vécu lors des deux dernières guerres mondiales également. Et pour ce faire, il faut travailler à deux niveaux, au niveau de l'éducation, et au niveau, effectivement, de l'urgence qu'a faire, appuyer les associations qui soutiennent les migrants, et évidemment, travailler au niveau politique. Mais ce travail-là doit être fait concurremment. Mais il y a des outils, et il est nécessaire aussi, me semble-t-il, de développer des
des liens entre réseaux qui existent déjà, mais qu'il faut amplifier et soutenir. Bon, voilà. Alors, Federico, alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est pour toi cette frontière, cette invention, un défi, un effort? Comment tu le vois alors? Oui, c'est justement ça. Dans les livres, je parle de la frontière comme un défi collectif. C'est un pari à gagner pour toute l'humanité, pour le bien de l'humanité. Et pour moi, la frontière, il ne faut pas l'entendre comme une ligne au sol, mais un gros espace qui c'est à construire ensemble. Ça signifie que l'espace, la ligne de la frontière, il définit un espace, que c'est, dans cet espace, il y a deux côtés, un côté et l'autre côté, qui sont unifiés par la frontière. Donc, dans la frontière, on est obligé à se rencontrer avec l'autre. Et donc, la frontière, même si ça peut sembler paradoxal, c'est vraiment quelque chose qui oblige à ne pas prendre la définition dualiste entre blanc et noir, dedans, dehors. La frontière, c'est un espace unifié. Et donc, de quelque façon, mon livre, c'est un peu l'éloge de la seuil, l'éloge de l'espace hybride. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Livourne, qui s'était fondée parce qu'ils avaient besoin d'avoir un port. Et la ville était fondée, mais elle était vide, il n'y avait pas des habitants. Et donc, ils ont fait un décret pour faire venir les gens, les réfugiés politiques, les gens qui avaient des problèmes avec la justice, les minorités religieuses et nationales. Et donc, la ville s'est fondée ainsi, comme ça. Et à un moment donné, on raconte une petite anecdote pour comprendre tout ça. Quand il y avait un juif qui venait de Portugal, et dans la rue, il était rencontré avec des gens, il demandait alors, tu es qui? Tu es encore juif ou tu es chrétien? Tu es italien ou tu es portugais encore? Et lui, il prend quelques minutes, il ne sait pas répondre, et à un moment donné, il dit, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas qui je suis, la seule chose que je sais, que je suis Livornais. Ça signifie, c'est un exemple, une anecdote pour comprendre qu'est-ce qu'il y a l'espace de l'hybridisme. Notre identité doit ouvrir, bon, parce que pour être vraiment accueillant vers les migrants, vers les gens qui viennent de l'extérieur, il faut que notre identité, pour la première chose, soit une identité ouverte. Chacun de nous, c'est pour ça que la politique, c'est important, chacun de nous, il doit ouvrir sa identité, se faire mélanger pour autre chose. Et l'espace des frontières, où les gens passent, on nous oblige à ça. À mon avis, c'est ça le problème aujourd'hui, que la frontière, il doit rester quelque chose de politique, pas militaire. C'est comme la peau des gens, jusqu'à la peau, c'est sensible, on entend. Et la frontière, c'est un peu ça. Il faut regarder la frontière en façon plus grande, à mon avis. Et surtout, c'est lié, la frontière, à l'identité. Moi, je parle d'invention de la frontière dans les livres, parce qu'évidemment, la frontière, c'est une invention humaine, il n'existe pas en nature. Mais ça ne signifie pas que la frontière n'était pas nécessaire. Je pense que dans l'histoire, c'est la démonstration que la frontière, il est quelque chose de nécessaire. Il était nécessaire pour les peuples, pour soi-même, pour définir les peuples. Mais la frontière, c'est quelque chose, à un moment donné, nécessaire. Et en même temps, quelque chose de franchir la frontière, c'est nécessaire aussi. Voilà. Federico, extraordinaire, vraiment. Et je trouve que là, c'est le moment d'ouvrir les débats avec le public parce que c'est presque 9 heures, donc on est vraiment en retard. Je voudrais, pour commencer cela, donner la parole à Rachel qui a demandé d'être... Vous raconter. Bonjour Rachel. Bonjour tout le monde. Zdravei. Ouais. Hola. Alors, tu dois savoir qu'on s'est donné un rythme de 3 minutes. Donc, oui. De toute manière, Morena, tu m'as contactée aujourd'hui. Je ne savais pas que vous faites cette belle chose. Je te remercie vraiment parce que tout ce qui était dit ici, c'était avec beaucoup d'intérêt pour moi. Mais moi, je ne suis plus quelqu'un qui étudie ces choses-là. J'ai écrit ma littérature et voilà. Je voulais simplement dire que j'ai l'impression que plusieurs personnes parmi nous qui ont bougé énormément, soit en tant que nomades, soit parce que la réalité politique de leur pays a fait ces choses-là. Et peut-être quelque chose qui me caractérise, qui fait sentir que je n'ai pas de frontières, c'est le fait d'avoir vécu et grandi dans 4 pays différents.
quand ça se passe pendant l'enfance, j'ai l'impression que ça prend une autre forme parce qu'on est en train de vivre chaque langue, chaque culture comme une partie de notre identité la plus profonde. Et pendant de longues années, je n'avais aucune autre manière que vivre dans des grandes villes cosmopolites pour ne pas me sentir amputée d'une de mes identités si je ne parlais pas une de ces 7 langues que j'ai aujourd'hui. Déjà, cette histoire-là. Et je me souviens en 2010, quand j'étais invitée au Mozambique, à Maputo, et c'était le jour de la femme, Mia Kotu, et m'a demandé, et en tant qu'auteur représentant l'Europe, il y avait 2 personnes, une Mozambicaine et une Brésilienne, toutes les 2 noires. Elle devait parler de femmes et frontières, et il m'a demandé à moi de parler de femmes sans frontières, étant donné que, et comme ethnologue, j'ai vécu après dans une 20aine de pays. Si je parle de mon identité, parce que j'ai vécu, donc je suis bulgare, et j'ai vécu mon enfance à Buenos Aires, à Salvador da Bahia, au Brésil, et après à Tel Aviv. Donc aujourd'hui, quand j'écris ma littérature, c'est dans cette langue qui s'appelle ivrite et qui littéralement veut dire la langue de passage, la langue de la traversée. Donc dès le début, je suis condamnée à être, comme en arabe, la hilla, celle qui voyage, la femme qui voyage, n'est-ce pas? Et je voulais aussi dire peut-être que une grande psychiatre brésilienne, Nice da Silveira, a créé ses ateliers d'art plastique dans l'hôpital psychiatrique à Rio de Janeiro, quand elle était vraiment une grande pionnière. Et ces ateliers d'art plastique ont créé, après beaucoup, beaucoup d'écrits, sur la frontière entre l'œuvre de l'art des artistes et l'œuvre d'art de ces gens-là, on va dire de malades mentaux, qui ont créé des œuvres qui étaient même dans les musées de São Paulo comme œuvres magnifiques, n'est-ce pas? Donc, il y a un livre qui s'appelle Coisa de Louco, une chose de fou, qui parle exactement sur cette frontière tellement délicate entre le travail d'un malade mental avec l'art et le travail des artistes. Mais pour terminer, je vais simplement dire que peut-être cet état où on grandit dans plusieurs pays, où on les approprie pas comme des langues, mais comme des identités, des loyautés vraiment vis-à-vis de tous ces pays-là, ça fait que toute ma vie, je vis aux marges. Peut-être à cause de la condition aussi d'artiste, mais celle qui est partout chez elle, et en fait, elle est toujours étrangère dans un grand no man's land. Comme oui. Mon Borges disait, j'aimerais bien revivre les années de la Première Guerre mondiale quand on pouvait se balader d'un pays à l'autre sans passeport. Donc, je vois beaucoup de têtes bouger là, un positif, hein, on te soutient. Voilà, exactement quelque ça. Chose qui est lié à l'écriture pour moi, mais pour dire la vérité, ma sensibilité est telle que si je commence à travailler ce que notre ami serbe qui habite en Italie a raconté, moi je commence à avoir toutes les maladies du monde psychosomatiquement qui vont m'attaquer. Je n'arrive plus, c'est trop fort pour moi, toutes ces expériences-là. Flora, et quand on est auteur, oui. Et la traduction littéraire que Federico a dit, on est des passeurs, quoi. Ça, c'est notre travail, être entre les frontières. Il n'y a pas autre chose. Moi aussi, j'ai traduit la littérature brésilienne en hébreu. Et voilà, c'est ça. Les passeurs. C'est... Flora, passeuse, t'es là? Là. Je suis là, mais j'ai rien à ajouter. Je trouve que c'est incroyable toutes les connexions, d'ailleurs, qu'on a réussi sans jamais se parler entre nous à créer. Et donc, c'est d'autant plus vrai. Alors, nos intuitions sont justes si on les a eues tous ensemble. Après, je pense que la question de Valentine est assez urgente, mais peut-être qu'on pourra refaire un autre séminaire
Absolument. Je suis d'accord, oui. Même en présentiel, hein, pourquoi pas, de se retrouver, d'en parler, vraiment, il faut. Hein. Il faut approfondir la question de migration, parce que c'est notre époque, on est dans l'âge de migration, donc il faut en parler. Une séminaire, ça ne suffit pas. Y a-t-il d'autres questions du public? En te remerciant. Merci, Rachel, merci beaucoup. Je voudrais dire merci à tout le monde. Et moi, je pense que les problèmes qu'on a soulevés sont tellement énormes qu'il faut effectivement se retrouver et essayer de mettre ordre dans toute la problématique qui est dehors de nous et à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, nous, on essaye, par exemple, à travers le dialogue permanent avec les autres cultures. Et donc, je pense qu'il faut élargir de plus en plus ce dialogue et nous en parler entre nous et faire sortir tout ce qui se passe. J'ai beaucoup apprécié, évidemment, tout le monde, en particulier l'expérience de Flore. Et nous faisons aussi des cours dans les lycées. Et moi, je souhaiterais effectivement que, par exemple, des personnages comme Flora ou autres qui sont là viennent porter des témoignages aux enfants, aux jeunes, aux ceux qui fréquentent le lycée. Parce que les jeunes sont notre espoir dans ce moment-là. Et la formation, et l'éducation, et la conscience sur ce qui se passe, je pense que ce soit la chose la plus importante. Oui. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je ne veux pas ajouter autre chose. J'ai écrit aussi des choses sur les frontières et peut-être que je les enverrai à Morena. Oui, on pourra les partager. Je voulais faire, alors, on a un enregistrement Zoom de cette conférence. Oui, donc, si vous avez des petites choses, des phrases, des couvertures de vos livres, des petites choses comme ça, vous pouvez me les envoyer. Je peux faire un montage général, vous voyez, mettre pour partager. Vraiment, c'est important que les groupes, on a commencé à 30, on est 28 là, des participants. Donc, ça veut dire que ça tient, on est un vrai groupe. On peut continuer à se dire des choses, à faire des choses ensemble. Ça, c'est vraiment... Ah, pardon. 29. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on continue cette mise en place de la problématique. Merci Flore, merci Valentine, merci Nader, merci Rokshad, merci Maria, veramente, et tout le monde. Tiziana, tu es encore là, merci beaucoup. Annelise, Alfredo, tu es encore là, je te vois, magnifique. Donc j'ai fait une image galerie, voilà, comme ça je vous vois. Mariette, André, ouais, voilà, Joséphine, tout le monde est là. Fulvio, merci, Federico, merci. Quoi dire? Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci. Fais-nous un mail groupé, Morena. Fais-nous un mail. Fais-nous un mail groupé. Avec les autres mails. Ça Madame, exactement. Madame. Oui. Grazie, Morena. Merci, Morena. Merci à toutes. Merci à tous. Merci à tous. Magnifique. Oh, Marianne, Rocio. A bientôt. Ciao. A bientôt. La priorité, je ne voyais pas qui était là. Christina, ciao. Ouais. Et là, il y a aussi des amis du public là, qui sont là. Il y a une amie à moi qui travaille avec des autistes et des migrants. Et je veux dire, plus on est, plus on va transmettre et partager, ouais, plus c'est ce type de groupe et, de, ouais, et d'action à poser pourront aussi avoir lieu. Merci. Rokshad, il y a, voilà, je vous vois tous. Merci vraiment, Nathalie. Oui, moi je voulais savoir, Valentine, tu as une association. J'aimerais bien savoir ce que c'est un peu plus, si tu pouvais mettre des infos. Oui, moi aussi. Mais... moi aussi. Non, je voulais dire moi aussi. Je voulais dire quelque chose.
Moi aussi, Valentine. C'est vrai que c'était court de vous présenter comme ça, c'est vrai, mais on essaie de je voulais la parole, vraiment. C'était ça l'important, c'était la voix. C'était important que vous soyez là et qu'on puisse partager ces moments. Après, on peut s'envoyer par mail des petites réflexions. Exactement. Ouais, bravo, Morena. Ouais. Bravo Morena. Merci, travail magnifique. Travail. Bravo. Bravo à tous. Bravo, merci. Bien de la force. Joséphine, tu veux fermer avec une petite chanson aussi? Toi. Non. Toi. Valentina. Rachel, vous voulez faire un petit morceau de fermeture? Oh, Eve Yamim, Elirot Tov. Ça, c'est pour Monique. Oh, ouais. Pour merci. Toda merci Rabba. Beaucoup. Merci. Tina, toi, allez. Aime, console. Marcher les polyphonies sur Zoom. Hein? Waouh! Merci beaucoup. Oh. Bachi. Merci. Avec le cœur, à très vite d'une façon ou d'une autre. Ouais. Merci. À très vite. À bientôt. À tous qui veulent participer demain à l'atelier Corbois de Joséphine. Ciao. Nombreux, nombreux, venez. Oui, dites-nous à quelle heure, etc. 18h30, ciao. 18h30, bisous. 18h30. Le même Zoom. Même lien pour vous. Même Zoom. Okay. Même Zoom, hein? Ok. Même lien. Ciao. 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 Merci.